Eh bien, bonjour tout le monde. C'est la forme aujourd'hui puisque on a une nouvelle mise à jour en approche avec une nouvelle pas trop mauvaise puisqu'il s'agit d'un premier sneak peek nous annonçant l'arrivée des dragons de niveau 5. Donc ça c'est bien parce que au moins bon on a quelque chose d'un peu plus lourd que des favoris de clan ou des choses un peu cosmétiques. Donc là on va pouvoir jouer un petit peu avec des nouveaux gameplays à base de dragons. La deuxième information intéressante qui est passée sur le forum et pas partout, c'est le fait qu'il y aura un deuxième propulseur d'air qui sera disponible avec l'hôtel de ville de niveau 9. Troisième information un peu plus cosmétique, le fait qu'il y aura un bouton qui va apparaître pour qu'on puisse former ses troupes en dehors en fait de cliquer sur les casernes. Voilà, donc c'est les trois informations, donc une très majeure, c'est les dragons de niveau 5, une deuxième majeure mais un peu moins, c'est le deuxième propulseur d'air, le Air Sweeper en anglais à partir des hôtels de ville de niveau 9. Et la troisième, cosmétique, le petit bouton pour former ses troupes qui sera peut-être plus pratique qu'aller chercher sa baraque. En plus, des fois, on tape sur l'une des quatre, on fait droite-droite et puis on se trouve qu'on est sur un caserne de noir. On n'arrive jamais à trouver la bonne qui nous fait bien coller les quatre premières casernes puis les deux autres de noir. Enfin bref, vous savez de quoi je parle. Ce que j'en pense, moi, personnellement, c'est que c'est plutôt bien. C'est pas du méga lourd, mais c'est déjà intéressant. Ça va permettre un petit peu de se remettre un petit peu à l'aérien. Moi, les dragons, j'aime bien. Donc, je pense que je vais faire quelques gameplays avec ça et voir si ça peut être intéressant. On verra, j'ai pas les informations encore concernant les points de vie, les points d'attaque, etc. Malheureusement, je n'ai pas trouvé non plus d'informations concernant nos youtubeurs américains habituels, les Galadon, les Godson, etc. C'est bizarre, pas de sneak peek de leur part au moment où je tourne. Je dis bien au moment où je tourne parce que si ça se trouve, là vous allez voir cette vidéo, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On l'a déjà vu 100 fois la vidéo de Galadon. Sait-on jamais? Voilà, on va pas faire plus long pour cette vidéo d'annonce. Donc, voilà, régalez-vous en vous frottant les mains. Et bien sûr, annonce aussi qu'il y aura un deuxième sneak peek demain, ça aussi c'est officiel, c'est marqué tomorrow, donc a priori demain, à part s'ils nous mentent, mais j'espère que non. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.